On est reparti, mes chers moignons, sur Omori. Est-ce que le son est bon? Parce que j'avais augmenté la dernière fois, il est peut-être un peu fort, non? N'hésitez pas à me dire. On s'est arrêté où? Ah oui, on était au truc de la dernière chance. Nous sommes à 16h38 de jeu, voilà. Il nous reste à peu près encore une bonne dizaine d'heures de jeu. Donc il est temps d'avancer un peu. Je me force à des ateliers, des petits cours. Un jour, une semaine. Ah non, mais c'est sûr. Non, mais ça, je suis d'accord. Genre, après, quand t'es avec les... Il y a des personnes avec qui c'est beaucoup plus facile que d'autres. Avec qui tu t'entends mieux, qui sont... Que tu connais un petit peu, et du coup, ça glisse tout seul. Et où t'as pas besoin vraiment de faire d'efforts mais... et tout. Mais il y a des gens, ils ont beau être gentils. Il y a des gens, c'est... Il y a des fois, être avec des gens, c'est très, très fatigant. Vraiment, c'est... Je comprends, moi, je suis pareil. Je suis pareil. Les quêtes aussi. Oui, les petites quêtes, oui, exact. Oui, j'ai pas oublié, ouais. Enfin, tu fais bien de me le rappeler. Oui. Il faudrait que je trouve le truc pour se TP. Alors, on est à la... Je sais pas si c'est un bar ou... Je crois que c'est un bar. On est au bar de la dernière chance. Tous nos amis ont été dispatchés. On a retrouvé... Cade. Ouais, c'est lui, hein. Et du coup, je sais plus pourquoi je suis là. Là, je suis perdu. Je crois qu'il fallait que je ressorte. Je crois qu'il faut qu'on aille chercher... qu'on aille chercher machine. J'ai oublié son nom. Ah, j'ai déjà eu des ramen ici, non? Et je sais plus à quel étage aller. Quatrième, non? Comment il s'appelle? J'ai oublié tous les prénoms des persos. Ça fait trop longtemps. Oh, j'avais vu ça? Pas sûr. Pour les nuits, méga difficile. Je peux pas aller dans le truc de boule? Allez. Coucou Benjamin Faux, merci beaucoup pour ton prime, 6e mois, merci les bisous. Ça va bien et toi? Je parle mal français avec ma soeur, je peux passer ma vie, mais avec les autres. Ça m'épuise et ça me stresse. Non mais je comprends. Je comprends. En vrai, il faut le faire, faut faire ça à votre rythme. Il y a des gens, ils sont très très bien tout seuls. Ils ont pas plus besoin de... Ah oui, c'est l'étage. Ils n'ont pas plus besoin de ça. Il y en a, ils ont besoin tout le temps d'être avec des gens. Il y en a, voilà. Il y en a, bah, c'est de temps en temps. Faut le faire à votre rythme. Hein. Il n'y a pas de bon ou mauvaise chose. Hein. C'est selon vous. Alors, je crois que c'est au 4e étage qu'il faut aller, il me semble. J'ai utilisé mon passe-cool. Boop. Le son, ça va? Ça vous explose pas les oreilles? J'ai presque envie de baisser un peu, j'ai l'impression que c'est fort. Ouais, j'ai pas été ici, ça me dit rien. Lord requin incroyable. Putain, mais Lord est dans le jeu. Non, c'est bien le son? Ok, bon bah je laisse comme ça. Lord est dans le jeu. Lord requin incroyable. Et Lord, il est incroyable. Sire requin incroyable. Ça, c'est ses potes. Professeur requin incroyable. Docteur requin incroyable. Oula, et lui... Monsieur requin incroyable. Attention, monsieur. Ah, c'est un peu fort. Attendez, je baisse. Une ch'touille, alors. Une ch'touille inette. Soit que vous m'entendez bien. Voilà. Ah, mais Berly, il est là? Tiens, voyons ce que nous avons ici. Essaye de parler au Big Boss, n'est-ce pas? Désolé d'éclater ta bulle, mais je peux juste pas laisser passer quelqu'un d'ici, bon gré malgré. Oh mec, vraiment? Allez Berly, on se connaît depuis la nuit des temps. Tu peux pas nous rendre un minuscule service? Gnagnagnagnagnagna. Désolé Kel, c'est les ordres du patron. Aujourd'hui est un grand jour et il ne veut pas de... dérangement. On a une collecte de tofu à préparer pour soi. Mais Berly, c'est moi! Ton vieil ami Kel! Toi et moi, ça remonte! J'ai la foi qui... Steak, je suis désolé. Pense à tous nos bons moments ensemble. Et arrête ça. Ils m'ont mis en chef de la sécurité pour une raison. Ils voulaient quelqu'un de dur.
quelqu'un pouvant prendre des décisions difficiles, personne têtu. Je veux dire, regarde mon badge, il brille tant. Vite qu'elle pense à quelque chose. Oh, je sais. Hé, Berly, notre bon ami Omori, ici présent, est intéressé par un boulot. Tu sais que le... C'est un bois, le boulot. Okay. Ah non, vous aviez pas demandé une blague nulle. Pardon. Quoi y a-t-il ? C'est que le patron ne refuserait jamais du boulot gratuit. Gratos. C'est vrai. Mais s'il te plaît, Berly. S'il te plaît. Oh, d'accord. Je vous laisse passer cette fois-ci. Mais seulement si vous me prenez une bouteille d'eau d'abord. Je suis assoiffé. Une bouteille d'eau ? J'en ai pas ? Vous avez cette bouteille d'eau ? Fils, ça, on est totalement assoiffé. Ah bah non. Alors, on est sous l'eau. Est-ce qu'on va trouver une bouteille d'eau sous l'eau ? On a vu des distributeurs quelque part ? Mais oui, on est sous l'eau. Ah, ça c'est là d'où je viens. Qui a ouvert la bouche, mais oui. Mince, mais non, mais... Ah. Bon bah, sauvegardons. J'ai mis ce kick. Alors, là je suis au niveau 2. Je sais pas où je peux trouver une bouteille d'eau. Hein. Non, il n'en aura pas. Pardon. Pam, pam, pam. Dans mon éponge, des poissons se noient dans une mer, dans la mer. C'est vrai. Jamais beaucoup regardé Bob l'éponge, du coup j'avoue que j'en sais rien. C'est un jeu de quelle année, Omori ? Bonne question. Il est pas si vieux que ça, je crois. Je vais te dire ça tout de suite. Ah bon, on a été plus rapide que moi. 2020. Merci. Donc oui, il est pas très vieux en effet. Fin 2020. Où est-ce que je peux trouver... Est-ce qu'il y avait des distributeurs en bas à tout hasard ? Ah oui, c'est vrai. Toutes ces économies, mais j'avais... Mais en fait, j'ai rien eu du tout. Enfin, il m'a donné que dalle. Angelica Anaconda. Oh non. C'est le dessin animé qui est horrible, là. Moi j'en faisais des cauchemars, hein. Ça me faisait trop peur ce truc. Ah bah attendez, regarde, il y a des distributeurs là. Oui, c'est sûr. Oh là. Ok. T'as pas marre de te faire mettre dehors, gamin? Bon bah ouais. Et du coup, les combats sont devenus vachement plus compliqués parce qu'on est que deux, quoi. Donc pas évident. Oh, 109 de dégâts, allez, bim. Je relance. Ah oui. Ah ouais, on a explosé. Oh, 600 palourdes. J'ai tellement de palourdes. C'est buteur automatique. Acheter un soda délicieux. Non, je veux une bouteille d'eau. Mince. Mais non, je veux pas un soda délicieux, je veux une bouteille d'eau. Est-ce que t'as des bouteilles d'eau, toi? Hot dog, prenez votre hot dog ici. Tu vois, hot dog, ça coûtera que 100 palourdes. Eh, ils sont trop bons. Non. Tac, mais ils sont trop bons. T'as déjà plein de variétés de jus de fruits. Je veux une bouteille d'eau. Où est-ce que... Qu'est-ce qu'il a, lui? Ah oui, là, il y a un M ici, mais je suis pas sûr qu'il y a un M dans le pendu. Du coup, j'ose pas le prendre. Après, je suis pas allé au Red Ah. Ce serait pas une bouteille d'eau, ça. Du jus de céréales. Ah, c'est de la bière.
Ouais, est-ce que sinon il y a le rez-de-chaussée où on n'est pas allé encore? Ah, dada! Ton, ton, ton. Coucou Tatache, tu vas bien? Mais ouais, j'ai Anaconda truc muche là. Oh là, qu'est-ce que ça me terrifiait quoi. Quel envers. En vrai, je crois que j'ai jamais regardé un épisode en entier tellement ça me mettait mal à l'aise. Qu'elle joue à la machine à sous. Super. Oh, qu'elle a gagné 37 palourdes. Oh, c'est cool. C'est très spécial, hein. Ouais, non, mais je veux bien te croire. Déjà, juste les dessins. C'était vraiment compliqué, hein. Les dessins, mais l'animation aussi, je crois. Enfin. Bon, attendez, on va essayer d'aller au dernier étage parce que je crois qu'on n'y est pas allé. Et là, il n'y a pas de bouteille d'eau. Aïe! Oh, putain, les deux vont me tomber dessus. Tain, tain, tain. Pas forcément de la bière, la vodka aussi est fait à base de céréales. Ah, peut-être, ouais. Putain, mais si les enfants de la télé d'un côté, c'est top. Ah bah oui, moi ça m'est bien trop mal. On commence à bien se débrouiller quand même, hein, alors qu'on est que deux. Il devient dur, oula. Ah mince, je dis ça et on s'en prend une, super. Comme par hasard. Ok, c'est bon. On va peut-être soigner un peu qu'elle quand même. Il était juste derrière. Alors attends, on va lui faire un petit... c'est trois fois... on va le tailler. Et toi, tu vas prendre un petit goûter. Mmh. 80% des cœurs, c'est pas mal ça. Allez, mange un ramen, j'en ai plein en plus, je crois. Tain, tain, tain. Allez, bim. Limite s'il est pas déjà mort. Oh bah j'ai bien fait de le soigner. Ah, il joue à la machine à sous. Il a gagné 140 palourdes. Putain, j'aime bien cet endroit. Il gagne de l'argent comme ça. Putain, j'aime trop cette capacité qu'il a à Mori de réattaquer comme ça. C'est bien bien pratique. Dernier étage, quoi. J'en profitais pour me soigner. Petit sushi. Trop de chance à la machine à sous. Je crois qu'il y a une fois que j'avais perdu quand même la dernière fois. Petite sauvegarde. Ça ne mange pas de pain vu qu'on est là. Hop. Alors. Ouais, le moins 1, je crois qu'on l'a pas fait. Hein. Boop. C'est quoi ce truc? Bonjour. Je suis Burpmo. Et je voudrais être personne d'autre que moi. D'accord. Bah c'est une bonne chose en vrai. Je suis fier de toi. Ah. Il va peut-être y avoir de l'eau ici, non? J'ai un punching ball. Ah, ça, ça doit être pour Kiel, je pense. Équipé. Ah non, c'est pas une arme que j'ai ramassée? Ah ou alors c'est un fétiche? Ah ouais, c'est un fétiche. Ah c'est pas dingue. Ah bah non, c'est... Non, 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 bah non. C'est nul. C'est nul. Coucou Pandazou. Une pizza. De la pizza. Mange-la. C'est plutôt automatique. Non, je veux de l'eau, moi. Les actions sont en hausse. Des factures, des factures, des factures. J'ai trouvé un tacos au poisson. Cool. Jus de fruits, ce n'est pas pour les enfants. Une armoire. Corps. Ça, c'est encore de la bière ou... Ou autre chose. Factures, des factures, des factures.
Merci Miu pour ton 63ème mois, ce qui est déjà pas mal, hein, de resub. Vas-y doucement, on va pas se battre contre toi. Du moins, pas pendant qu'on est pas en service. Ok. Tu vas bien, Miu. Allez, 63. Qui dit mieux? Et moi, je veux une bouteille d'eau. Un casier. Oh, j'ai trouvé une bouteille d'eau. Bah voilà. Attends, je vais tous les fouiller du coup. J'aime bien la musique. Bonjour. On n'est pas responsable si quelque chose disparaît dans ces casiers. C'est vos objets de valeur à la maison, les gens. Oh. Casier. 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 Jus de fruits, cool. Il n'y avait pas un point d'interrogation vers le jus de fruits? Genre, c'est du vin? Ça va me bourrer la gueule en plein combat, ça va être génial. J'ai un recueil de poésie. Ouais, alors, il fallait qu'on... On avait deux quêtes à rendre. Il y en a une... Eh ben, je sais plus où elle est. Je crois que c'est dans la première map. Et une autre, c'est le truc des bouquins. Eh, mais c'est héros, non? Employé du mois. Waouh. Et ouais, la prochaine fois qu'on peut se TP, faites-y moi penser. On ira. On ira rendre les petites quêtes. Quatrième étage, du coup. Les blagues dans la forêt entre le mont du haut et le parc. Ah ouais, 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 c'est là où il y avait les trucs araignées et tout, là. Ouais. Par contre, l'autre, je sais plus. Je crois que c'est dans la première zone. Poum, poum. Et vous m'avez pris une bouteille d'eau? Merci, je vous en dois une. Hé, hey, garçon, j'ai entendu dire qu'ils avaient de la pizza dans la salle de pause. Ok, pizza gratos. Ah, j'espère qu'il n'y a pas d'ananas dessus. Tu as encore dit Pandasou. Non, j'ai dit Pandaxou. Non, je sais plus. Doucement avec les majuscules, par contre, s'il te plaît. Oula, il y a un V là qui... Oula, 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 oula. Un V dans notre mot, là. Ah bah si, bienvenue. Ah bah si. Ah bah si, bah celui-là, on prend. Bah oui. Je me suis senti agressé par cette touche en plein milieu. Cette touche restante. Oui. Bienvenue dans le... Je sais pas. Le... Noir? Peut-être noir, ouais, c'est peut-être noir le dernier mot. O, I. On n'a pas eu encore de O et de I. Ouais, je trouve le I. Ça me débloquerait pas mal de trucs. Dans le, je sais pas quoi. Dans le blablabla. Où veux-tu aller? Concierge. Concierge? Pourquoi c'est marqué place, placé, en haut là, placé, placé quoi? Bonjour. Oh, je suis à nouveau en retard pour mes paiements. Monsieur requin incroyable va mettre ma tête sur un pic. Malheur à moi, malheur à moi. Ah, il y en a, ils ont des dettes de jeu. Oh, on dirait un Doritos. C'est quoi ce grand patron qui dit à tout le monde d'attendre? Se prend pour qui? Certains d'entre nous ont des vies, tu sais. Patron m'a appelé pour un meeting important, mais il n'est pas disponible pour le moment. Je sais pas. Est-ce que je devrais rester ici ou continuer à travailler? Oh merde, il y a quelqu'un qui est mort. Ce n'est pas vivant. Bah oui, je vois. Oh la tête. J'ai entendu dire que monsieur requin incroyable a un nouveau garde du corps qui est un vrai dur. Il n'a aucune chance qu'il soit à la hauteur d'essai. Ah bah ça doit être... Putain, mais comment elle s'appelle? J'ai oublié le nom de la fille que j'adore. Oh bon sang. C'est moi qui vais devoir dire à Requin Incroyable qu'un autre investisseur se retire. C'était pas ma faute, hein. Mais pas moyen de lui dire que je dise ça. Je dois aussi pour mener des affaires importantes. Et ensuite, je m'occuperai d'affaires plus importantes. Requin Incroyable et moi, nous avons beaucoup de points sur lesquels discuter. Oui, beaucoup, beaucoup de points. Ah, elle est là. Aubrey, voilà, merci. Bonjour. Veuillez patienter. Bonjour. Veuillez patienter. Ah mais non, mais c'est la secrétaire, c'est même pas la garde du corps. Bonjour, veuillez patienter.
Ça doit être génial son boulot. Aubrey, on est là pour te libérer. On sent qu'elle va tant, tu ne vois pas que je suis occupée. Pour tes esprits, Aubrey, ça ne te ressemble pas. Tu sais que 3 personnes ont annulé leur réunion aujourd'hui. 3 personnes. Je suis censée les replanifier, mais je sais même pas comment tout ça va rentrer avec tous ces événements inutiles de prévu. Sans parler du fait que nous avons une collecte de fonds ce soir. Et qui plus est, c'est une collecte de fonds de tofu. Quelle personne saine d'esprit paierait des palourdes pour du tofu? Bah, les topous. J'essaie d'en parler au boss, mais il veut juste pas m'écouter. C'est un véritable cauchemar. Ok, après, je vais avoir besoin que tu respires, pardon. Je respire, Kel. Je respire très bien. Inspire profondément, Aubrey. Inspire profondément. Oh. Ah. Oh. Ah. C'est comme ça qu'on respire. Coucou Alexis, tu vas bien? C'est de faire une secrétaire. Oh. Ah. Vas-y, elle a disparu, on doit la retrouver. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh mon dieu, c'est vrai. Comment ai-je pu oublier? On doit retrouver Basile. Oh Maurice, est-ce que c'est toi? Petit tour sur elle-même. Tu dois être ici pour me sauver. Hihihi, je suis tellement contente. Attends, et moi alors? Oh Maurice, tu dois me sortir d'ici. On peut tout simplement partir, Aubrey. La sortie est juste là. C'est pas si simple qu'elle. On a signé des contrats, tu te souviens? Oula. Aubrey, où est-ce que tu étais? Ça fait 10 secondes que j'essaie de te joindre. Comment se déroule la replanification? Pardon, monsieur requin incroyable, quelque chose est arrivé. Yo, monsieur requin incroyable. Bonsoir, encore toi, Kel. Je pensais qu'on t'avait envoyé loin, loin d'ici. T'avais-je pas dit de ne pas quitter ton poste? Eh bien, j'ai fait tout ce chemin pour vous dire personnellement que je démissionne. Et j'emmène Aubrey avec moi. Très drôle. Mon bureau, Kel, maintenant. Je l'envoie tout de suite. Toi aussi, Aubrey. Bzzz. Oula, ça va chier, je crois. Je crois que ça va chier. J'ai regardé Ghostland, j'ai beaucoup aimé, juste dommage qu'on n'en sache pas plus sur les psychopathes. Ah, t'as bien aimé du coup? Ça va, ça t'a pas trop mal. Pas comme moi. Non, mais ouais, il est cool. Mais oui, c'est vrai que. Ouais, c'est l'accent est pas misé sur eux, ouais. Bon, c'est vrai que je vais être viré à cause de toi. Je sais, c'est pas génial. Allez, on y va. Le bureau de monsieur requin incroyable est à l'étage en prenant l'ascenseur. D'ailleurs, il y a un aileron sur sa porte. Attends, moi je veux fouiller un peu. Monsieur requin incroyable, c'est un nom qui va attirer l'attention de tout le monde ici. J'ai entendu dire qu'il est du genre à ne jamais se salir les mains. Et je ne lui jette pas la pierre pour ça, je ferai la même chose. Peut-être que... Attends, il y a encore une photo d'héros. Il y a pas des lapins poussière? Des livres onéreux pour la frime, c'est noté. D'accord. Bon bah allons-y. La plateforme sur Netflix. Ah non, je l'ai jamais vue. Il y a des fois où j'ai failli et je sais pas, je l'ai pas fait. ouais, c'est un film, c'est pas une série. Hein. Ça a l'air d'être un huis clos, non? Ah. J'ai du jus de fruits. Ah oui, jus de fruits, point d'interrogation, ouais. Ça sent le vin quand même, cette histoire. Oui, c'est ça. Ok, je regarderai. J'aime bien les huis clos en plus. Bloup. Mince, mais non, mais. Alors. Bureau de monsieur Rock incroyable. C'est parti. Pouit, pouit, pouit. Je me décale lentement sur un autre fuseau horaire. Par rapport au boulot? Une sorte de satire sur la société. Ah, ça peut être intéressant. Ok. Je me le note. Pouloulou. Ça suffit! Ah, mais c'est lui qui s'y plaît! J'avais pas compris. C'est long. Oui. Ok, c'est bon. Et donc. Ah, monsieur requin incroyable. Notre prochain boss, hein, sûrement.
D'ailleurs, on a un compte à rendre chez les Topous. Hein. Il y a un boss qu'on a pas explosé. Hein. Enfin, je sais même pas si c'est un boss, mais... Après, je sais pas si on a encore le niveau, mais... Ah, vous êtes enfin là. Bonjour, monsieur requin croyable. Mm-hmm. Ok, les mioches, laissez-moi reformuler ça pour vous. Comme explique le contrat ici, vous avez donné votre accord pour travailler avec pour moi. Pour le meilleur ou pour le pire, sans salaire pour le reste de votre vie. Ah, sans salaire, ah, c'est sympa, ça. C'est déjà le boss, oui, c'est pas faux. Alors, un contrat est une promesse, et vous ne briserez pas une promesse, n'est-ce pas? Mince, il a raison, on peut pas briser une promesse. Qu'est-ce qu'on fait au vrai? Vous avez peut-être croisé les doigts quand vous avez signé, non? Monsieur Rock Incroyable, il est vrai que nous avons fait une promesse. Mais on s'est aussi promis de retrouver notre ami Basile. Ouais, c'est vrai. Ce qui veut dire que vous devez nous laisser partir. J'imagine que je peux respecter ça. Promesse est une promesse. En vrai, je te laisse partir. Mais tu dois emmener Kel avec toi. Ah, vraiment? Ouais, merci, Rock Incroyable, vous êtes trop gentil. J'arrive juste de se débarrasser de Kel. L'espèce de gros ver là, qui se soignait. Ah, je sais plus si c'était un ver, mais il se soignait et tout. Il nous avait fait tellement mal. C'était horrible. Et dès qu'on le tapait un petit peu, il se soignait. C'était catastrophique. Super, on y va. Attendez, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Mais oui, il nous manque Héro. Oh ouais, est-ce qu'on peut emmener mon frère Héro avec nous aussi? Ah, il va pas vouloir. C'est vraiment rigolo comme mioche, Ken. Tu veux que je vous donne Héro? C'est radin. Radin, moi je te dis. Héro est sans hésiter le meilleur employé que j'ai jamais embauché de ma vie. Sa présence seule augmente le rendement de mon travail de 700%. Ah oui, je serais un idiot si je laissais partir un employé comme lui. Mais Héro, tout le monde le veut, c'est terrible. Ouais, le truc plante carnivore, voilà, c'est ça. C'est, ouais, j'ai dit quoi que c'était un verre? Bon, pareil. Et monsieur requin incroyable, je viens juste de terminer de préparer la collecte de fonds de tofu comme vous me l'aviez demandé. Les tables sont mises, la pièce est décorée, les toilettes sont propres et la nourriture a un goût spectaculaire si je peux me permettre. J'ai également lavé vos fenêtres, balayé vos sols, nourri vos animaux, organisé votre collection de lunettes de soleil et plié votre linge. Oh, cette tasse. Oh, et voilà votre café. Je pensais juste que ça vous ferait plaisir. Héro, c'est le mari sous du jeu, oui, c'est ça. C'est complètement ça. Depuis qu'on a vu Aubrey dans la vraie vie, je la trouve plus méchante envers Kel ou c'est moi. Bah non, elle a toujours été comme ça. Ah, tu veux dire que ton regard sur elle a changé? Bah pff, ouais, mais tu sens qu'il se chamaille, tu vois, c'est pas méchant. Je pense, hein. Voyez les mioches, excellent travail, Héro. Juste incroyable. Je pourrais même envisager de te payer un séjour. Vraiment? Ce serait un honneur, monsieur. Oh, salut les gars, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que tu cherches du travail aussi, Omori? Héro? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ne me dis pas que même toi t'as oublié pour Basile. Oh, bon sang, c'est vrai, on doit retrouver Basile. Comment je peux oublier quelque chose de si important? Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous devons partir tout de suite. Oula, Héro, pas si vite. Il reste encore du travail inachevé à faire. Tu es censé conduire tous nos VIP pour la collecte de fonds de ce soir. Monsieur Rock Incroyable, je suis navré, mais ça, votre respect et la collecte de fonds de Tofu peut attendre. Je me sens blessé, Héro. Tu n'as pas oublié notre contrat, n'est-ce pas? Eh bien, je... Oublie les contrats. Vas-y, a besoin de nous. On doit partir, Héro. Ne l'écoute pas, Héro. Pourquoi tu ferais ça? Tu n'as même pas signé de contrat avec elle. Je ne l'écoute pas, Aubrey, à cause d'un contrat. Je l'écoute parce qu'elle est mon amie. Je suis navré, monsieur Rock Incroyable. Mes amis sont plus importants qu'un misérable bout de papier. Et blanc. Alors là il est vexé, là. Misérable bout de papier? Tu me manques de respect, mon garçon. Je t'embauche comme un genou sans expérience et je te transforme en employé d'exception. Tu ne serais rien sans moi. Oula. On va encore se faire enfermer quelque part. Je le sens bien. La punition pour avoir brisé un contrat. C'est la mort.
Je vais t'enseigner le respect envers tes supérieurs. Oh ah. Monsieur Incroyable. Mince, non, les garçons, pardon. Auriez-vous l'amabilité de montrer la sortie à ces gosses? Attends, on combat les trois ou on combat juste... Bon, enfin, on est enfin tous réunis, et ça c'est cool. Ok, on va leur montrer. Je vais leur mettre la pâtée de leur vie. Ils vont rien comprendre. Elle est trop bien la musique. On va faire frappe puissante. Ah ouais ouais ouais, d'accord. Ok. On va viser Monsieur Requin Incroyable d'abord. Quoique, je sais pas. Alors, on va faire rebond. Allez, c'est parti. Ah, ça a rien fait à Monsieur Requin Incroyable. Toujours rien. Ça, c'est pas rassurant du tout. Après, c'est peut-être parce qu'ils sont devant. C'est peut-être parce qu'ils sont devant, en vrai. Ah mince, j'ai fait ça, mais il avait pas de vie en moins. Ah, voilà. Je veux que ces gosses prennent la porte, compris? Mais t'es tout seul maintenant, là. Il appelle un gars... Oh, merde. Il va en appeler toutes les 5 minutes. Ok, donc à chaque fois, en fait, on va devoir tuer ceux qui sont devant pour pouvoir le toucher, lui. Ok, j'ai compris. J'ai. Je vais garder mes grosses attaques pour après. Ah merde, j'ai plus de... Tant pis. Elle est trop bien, la musique. Ah, pourquoi c'est... Allez, hop. Ah mais non, mais ouais, mais du coup non. C'est chiant. J'ai pas eu le temps de le taper. En fait, il faut que... Ouais, mais ça va être chaud, en fait. Parce que je pense qu'il prend zéro de dégâts tant qu'il y a quelqu'un devant lui. Enfin, en fait, faut que je le tue très très vite, lui. Comme ça, après, les autres, ils peuvent attaquer derrière. Donc, on va lui en mettre plein la gueule. On peut essayer Wind Up. Et ricochet, avec un peu de chance, ça va toucher le patron derrière. J'espère. Parti. Allez, pour le moment, il prend rien. Ah, ça a rien fait l'attaque de... Ok, Hero, il a pu le toucher un peu. Le gars, Alligator, qui est vide, reçoit une pizza gratuite. Ah, ok. De ma part. Ah, Aubrey. Ah, yes, Aubrey. Oula. Comment ça, on est à court d'hommes demain? C'est impossible. Ouais, donc en fait, lui, il est nul, quoi. Par contre, le bureau est en feu. Oh, il a tout raté. Ok, donc pareil, on le tue très vite. Comme ça, après, on peut vite attaquer... Vite attaquer Monsieur Requin Incroyable. Allez. Alors là. Là t'es mort. Vous êtes laissé faire par une bande de gamins? Pourquoi est-ce que je vous ai engagé? Et bah voilà. Mais trop facile. C'est un boss ça? Non, ouais, je pense que c'est pas un boss. Je pense que c'est juste un petit combat un peu particulier. Je pense que c'est pas un boss. 4000 d'XP. Ah, c'est peut-être un boss en fait. 6000 palourdes. Mais je l'ai explosé quoi. Tu as trouvé un contrat?
mourir au niveau 24, au vrai 23, et a pris écrasé. Oh, 24, 23. Il est riche qu'on les fout les poches. Si vous voyez, buy height, sell low. Ça suffit, mes hommes, déconsignez-vous. Nous n'aboutissons à rien ainsi, pardon. Mais il est censé être dur, le... Attendez, j'ai un doute. Je dois admettre que vous êtes plutôt fort. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Hero n'est pas le seul employé d'exception de mon effectif. J'en possède qu'un seul autre. C'est Basile. Tu peux entrer maintenant. Pluton. Ah non, c'est Pluton. Bah non, pas Pluton. Parce que moi, j'ai besoin de voyager en plus. Pluton, c'est moi, Kel. Tu ne reconnais pas? On est tes amis. Désolé, Kel. Ce n'est rien de personnel. C'est juste ses affaires. Attends, je vais combattre Pluton, là? Voyons voir comment vous débrouillez. Contre la force d'une ancienne planète. Pluton, montre à ces mioches ton vrai pouvoir. Oh merde. Tout de suite, monsieur. Je suis navré, tout le monde. Votre chemin s'arrête ici. Ah. Donc là, il n'y a même pas de combat, là, en fait. Genre, juste c'est la mort directe. Je peux rien faire. Mais là, le patron, il est mort aussi, du coup, non? Wouah! Je crois que le vrai boss, il est maintenant. J'ai peur. Je crois que le vrai boss, il est maintenant. À l'aide. Et je me la suis pété en disant, oh, c'était trop facile. J'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Ah, j'ai fait la mariole. J'aurais pas dû. Admirez. C'est ma force. C'est ma forme finale. Pouvez-vous sentir la chaleur? Le jeu est gentil, il vient de me soigner. J'ai peur. Bon, on va tout lui mettre dans la tronche directe, hein. Étendu, plutôt étendu. Comment ça étendu? Étendu de quoi? Pourquoi étendu? J'ai pas compris. Bon, ça va bien se passer. 110. Ouh! Ah merde! Vas-y, sois nickel. Nickel. Ah, nickel! Ah, j'ai déjà fait tout ça. Ça va bien se passer. Pourquoi c'est Omori qui a le moins de vie alors qu'il est le plus haut level, quoi? Aubrey, quand c'est les passes, ça le rend énervé, pas triste, hein. Ouais, c'est peut-être pas une bonne idée de le rendre triste, en vrai. J'ai pas un truc pour me rendre triste. Attendez. Ah, c'est peut-être plus dans les gadgets, non? Oh, un ami ou un ennemi triste. Recueil de poésie, vas-y. Je vais le faire sur moi. Là, on va faire frappe puissante, ouais. On va faire contracter pour toi. Et pour le moment, héros. Son héros, il a que des stats de. Que des. Des pouvoirs pour soigner, de toute façon. Ok. Ça, son attaque descend. Et Pluton rate son attaque. Yes, yeah, parfait. Ouais, est triste. Ouais, c'est impressionnant, Jetkel. Ta contraction s'est grandement améliorée. Ah, bah oui, c'est lui qui nous l'avait appris. C'est vrai. Ok, maintenant on va pouvoir rigoler. On va le poignarder. Fiche de voix dégâts.
plus efficace si Aubrey est énervé. Faudrait rendre Aubrey énervé, ce serait pas mal. Je vais essayer de le faire. Bon, pour le moment, ça sert à rien que je soigne quelqu'un, tout le monde va bien. Ah merde, j'ai pas de truc pour les passes. Chier. Oh ! Pardon. J'ai un peu mal. J'ai un peu mal. Ouais, mais j'ai plus de jus en plus. Lui, il a un truc pour rendre du jus, mais ouais, c'est pas dingue. C'est pas dingue parce que ça a blessé Omori. Une partie des cœurs et du jus d'un ami, ouais, on va faire ça, heure du thé. Ah, mais j'ai pris des dégâts, mais ma barre elle a pas monté en bas. Ah, je vois. Vous êtes tous devenus plus forts. Hein. Mais moi aussi. Ah merde. Oula, c'est gros pec. Oh non. Super, il y a tout qui augmente. Sa vitesse, son attaque, sa défense. Ah, ça fait baisser du jus en plus. Sa lune. Il nous donne des coups de cul en fait. Il nous balance sa lune en pleine poire. Pourquoi ma barre elle augmente plus en bas là? Alors que je me prends du dégât. Ah si, ça y est un peu. On va peut-être recontracter encore. Hein. Allez, énervez-vous tous les deux, s'il vous plaît. Voilà. Parfait. Ah, ils sont directement enragés. What? Mais c'est ouf, d'habitude, ils s'énervent, mais ils sont pas directement enragés. Oula. Ah, j'ai peur. Oui. Non mais c'est une blague. Ça augmente encore. Ah non, il y a sa vitesse qui est descendue. Ouais. Alors ok, maintenant. Elle est enragée. Je pense que le coup de boule va faire très très mal. C'est ça que je voulais. Je sais pas si je fais une... Oh, on peut encore faire ricocher au moins, il frappe trois fois. On va peut-être soigner un peu tout le monde. Hors du goûter, hop. C'est parti. Il vient de faire 455 de dégâts. À chacun, les deux. Waouh! Waouh! J'en sais bien d'être enragé. Waouh! Bien joué, les enfants. Vous avez parcouru le chemin. Mais je n'ai pas encore fini. Mais je vais exploser. Allez, 6000 XP. 500 pas lourd, c'est tout? Niveau 25 à prix fixé. Oula. Genre, Omori peut faire ça. Trop bien. Héros à prix partagé. Ah. Du coup, deuxième round, c'est pas fini? Ah, ah. Vous êtes vraiment devenu plus fort. Ah, je suis si fier de vous. Cependant, même encore maintenant, j'ai un travail à faire. Et j'ai l'intention de le terminer. Préparez-vous, les enfants. Voici la définition du pouvoir. Quand je contracte. Oh merde. C'est pas fini, quoi. Je me sens max.
Bien, bien, séparez-vous, c'est le combat. Quoi ? Cette déception. Du calme, Pluton. J'ai perdu un employé d'exception aujourd'hui. Pas envie d'en perdre un deuxième. Monsieur, je peux les vaincre, donnez-moi juste un peu plus de temps. T'inquiète pas, Pluton, je parie ce qui est plus d'atouts aujourd'hui. Quelle tristesse. J'étais tellement prête, lui aussi, il était tellement prêt à me défoncer. Oh, il est vexé, là. When I flex, I feel my best. C'est le moment de succès. Sortez juste d'ici. Vous n'avez toujours été que des casse-nageoires de toute façon. Et vous êtes vraiment des casse-nageoires. Merci, monsieur. Vous ne le regretterez pas. Ouais. Il n'y a rien d'autre que je puisse faire pour que tu restes, hein. C'est dommage. Tu aurais pu atteindre ton véritable potentiel ici. Monsieur Requin Croyable, avant de partir, je voulais juste vous dire que, même après avoir kidnappé tous mes amis et après nous avoir incités à signer un contrat ambigu, parfois je vous considère encore comme un homme assez respectable. Mais ouais, mais j'ai gagné mes doigts dans le pif. Héros, ça va probablement te surprendre, mais je t'ai toujours considéré comme le fils que je n'ai jamais eu. Oh. Je sais que tu feras de grandes choses dans ta vie. Maintenant, dégagez de là. Vous voyez pas que je suis occupé. Merci encore, monsieur Requin Incroyable. Mais t'as loupé un truc, Mathilde. 400 de dégâts. Quel et au vrai chacun. 400 de dégâts. J'ai mis une tarte. Ok, tout le monde. Maintenant que nous sommes de nouveau réunis, nous pouvons continuer nos recherches pour Basile. La route a été longue, mais je suis sûr que nous nous retrouverons. Tant que nous n'abandonnons pas. T'as raison, héros. On est presque à la ligne d'arrivée. Je le sens. Encore 10 heures de jeu, hein. Ah, presque. Attends-nous, Basile, on va te retrouver en un rien de temps. Ça, c'est le dévouement que j'aime voir. Courage, les mioches zinzin. Alors, attendez, on a des nouvelles stats, du coup. Alors, j'ai fait quoi comme attaque? Il y avait une capacité d'Aubrey que je voulais absolument faire pendant qu'elle était énervée. C'est le coup de boule. Parce que plus elle est énervée, plus le coup de boule fait mal. Et quand les personnages font des passes, je sais que quand Aubrey parle avec Kel, quand je fais une passe à Kel, ça, leur stat augmente et en plus ça les énerve tous les deux. Sauf que là, ce que j'ai pas compris, c'est qu'ils sont pas passés à énerver tous les deux, ils sont passés à enrager. Et du coup, ils ont fait 400 de dégâts chacun. Incroyable. Enfin, incroyable. Alors. C'est quoi le nouveau truc? Non, c'est pas observé. Fixé. Réduit toutes les stats d'un ennemi. Ouh! Alors, pas à la place de Taï, parce que Taï, j'aime beaucoup. Snoopé, c'est pas mal aussi. Mais là, c'est toutes les stats. Ah, je vais le mettre à la place de Snoopé en vrai. Ouais, je vais le mettre à la place de Snoopé. Hein. Ça descend toutes les stats. Genre, il le fixe, ça le met mal à l'aise et voilà. Ah ouais. Aubrey, elle a eu un truc nouveau, je crois. Écrasé, ouais. Si cette aptitude achève un ennemi, récupère 100% de jus. Oh, je sais pas. Pour le moment, ça me tente pas plus que ça. Ricochet. Lui, il y a eu des nouveaux trucs ou pas? Tous les ennemis énervés. Attends-moi si tu peux. Non, il a pas eu de nouveaux trucs. Ah mince, j'ai fait quoi? Attendez. Mince, ça y est, je sais plus. Non, c'est pas ça. Attends, j'avais quoi avant? Ah bah ça y est. Non, ricochet, c'est trop bien. Héros. Non, c'est pas ça. Ah, je peux utiliser maintenant. Ouais, mais on va aller sauvegarder de toute façon. Parer, sourire, partager. Héros et un ami récupèrent quelques cœurs. C'est nul. Non, par rapport à mes autres trucs, c'est nul. Ok.
Est-ce qu'on peut vous piquer des trucs? Oh putain, il boude. Ah, quelle surprise des enfants. Vous venu pour me combattre à nouveau? Je vous comprends bien. Je ressens toujours à l'après-coup de votre bataille mouvementée. C'est un souvenir que je chérirai à jamais. Vous êtes devenu incroyablement fort. Mais comme pour tout, il est encore possible de s'améliorer. Contracte pour moi, Kel. Montre ce que je t'ai appris. Oui, monsieur. Pluton, monsieur. Houha! Kel est prêt pour l'action. Maintenant, qu'est-ce que je cogne? Non, j'ai peur que tu aies mal compris. Quoi? Dans ce défi, je ne vais pas tester ta puissance. Je vais tester ton endurance. Eh ben, lui apprendre un nouveau truc. Tiens-toi prêt, Kel. Je ne retiendrai pas mes coups. Kel a gagné 50 cœurs et a perdu une dent. Quoi? Mais what? Il s'est passé quoi? J'ai pas suivi. Il s'est pris une droite. Mais 50 cœurs définitifs, il a gagné ou... Il se relève plus. Ah si, c'est bon. Ah, attendez, je me demande si... Je peux pas péter les caisses avec Aubrey, non? Ah non, j'ai cru. Non, non, je peux pas. Cac de 400... Ouais, bah il s'est bien mangé, là, quand même. Attends, c'est quoi cette porte? L'ascenseur ne s'ouvre pas. Super. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre d'intéressant ici. Cassons-nous. Pour pouvoir se soigner et sauvegarder. C'est vrai, avant que j'oublie, Omori, prends ça. Monsieur Requin Croyant me l'a donné pour que je puisse me déplacer plus rapidement dans la dernière chance. Un pass VIP, waouh. Voilà, maintenant tous les ascenseurs devraient être plus rapides. Juste un avertissement, cependant, parfois c'est mouvementé. Ok. Ah, Marie est plus là. Pourquoi elle est plus là? Oui, j'étais en train d'y penser, Johan. Merci, bien joué. Salut, et toi, vous sortez revigoré. J'étais en train de me dire, mais c'est vrai que j'avais un truc à faire avec Aubrey. Et c'était au troisième étage, en effet, ouais. Effectivement. Moi, j'ai trouvé des pastèques, mais pas des pastèques d'armes, je crois pas. Hein. Alors, concierge, laisse tomber. Ah si, faut que je descende. Ah oui, en effet, c'est rapide, oui. Oh, il a engagé quelqu'un d'autre, du coup. Salut, moi, c'est Mira. Je suis nouvelle ici. Trop chaud. Bah, du coup, retour au troisième étage. Eh bien, je deviens trop forte, à Omori. On va plus s'amuser. Je dis ça jusqu'au jour où... Je suis un peu perdu, je sais pas où on va. En plus là on est 4 là, si on tombe sur un alligator on va le déchiqueter. Coucou Marie. Alors troisième. Poète, 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 poète. Alors on va passer à Aubrey du coup. Tu jouais dans une piscine à balles avec tes amis? Ah bah non, c'était pas là. Ok. Ah, je sais pas comment ça sert ça. C'était à côté peut-être? Ah, c'était là. C'était ça que je pouvais... Ah mais, ça m'a rechangé le... c'était quoi que je pouvais péter? C'était ça? Ah, c'est celle-là, ok. Regardez s'il n'y a pas des trucs dedans. Hein. Est-ce qu'il y avait des trucs là-bas? Ouais. Ça, je peux pas y péter par contre. Il n'y a rien dedans, quoi, cette arnaque. Lui nous attaque ou pas? Non? Faites mon voyage, collègue. Les gosses, vous vous rendez si vite. Ah, il m'attaque plus du coup.
Je pensais que j'allais pouvoir level up. Oh. Ah bah là, il y a une pastèque. Une bouteille d'eau. Super. Et là-dedans, il n'y a rien du tout. Par contre, ça sert à rien, je crois. Nul. J'ai une citronnade. Bon, je vais pas tous les péter, du coup. Hein. Ça sert à rien. Entière. Ah cool. Ah. Oh, il y a une douche. Pourquoi elle est toute toute sombre par contre, enfin, toute Ah parce qu'il faut que ça soit comme oui. Par contre, c'est quoi, c'est un J. Un J. Je suis pas sûr qu'il y ait un J dans mon truc hein. Là, il manque un I. Un S. Je pense que le dernier mot c'est noir. Hein. Ouais, je pense pas non plus. Un J. Il y a que le troisième mot là que j'ai pas encore compris. En plus, il manque pas beaucoup de lettres. Hein. Je pense que je pourrais le deviner toute seule, mais c'est pas grave. Ne me dites rien, ça va venir. Le. Yeah. Non, je vais pas le prendre. Je ne vais pas le prendre. Bienvenue dans le machin noir. Bon bah j'ai récupéré 2-3 petits items. Rien de foufou. Ah, il y a une télé là. Je peux faire un truc avec, non? Bâton de fumée. Super. Et du coup et bah du coup rien du tout. Bon bah du coup je suppose que je peux sortir. On va essayer de trouver un endroit pour se TP et d'aller rendre les quêtes si on y arrive. Je vais re-sauvegarder. Rez-de-chaussée. Il y a un O, non, dans le truc fantôme. Le truc fantôme? Quel truc fantôme? Tain, tain. Là, il y a un M, mais le M, je pense pas non plus. Hein. Je pense pas non plus qu'on en ait besoin. Ouhou, le gang est de retour. Tapez mon 5, tout le monde. Y'a personne qui veut lui taper dans la main. Quelle tristesse. Ok, est-ce qu'il va tester? Quelqu'un se souvient comment on est arrivé ici? Vous savez, j'ai fait un rêve des plus étranges. On était là, nous étions tous en train de tomber dans un trou noir infini. Plutôt, ce que je sais, c'est qu'après, j'ai renoncé à ma vie en signant un contrat. Genre, ils se souviennent pas, c'est trop bizarre. Vous savez ce qu'ils disent? C'est vraiment étrange où la vie nous mène. Donc, qu'est-ce qu'on faisait déjà? T'es à la recherche de Basile ou quelque chose du genre, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça, Kel. On cherche Basile. Tu penses que Basile pourrait être quelque part dans La Dernière Chance? C'est pas possible, Basile ne ferait pas un truc pareil. Parce qu'il a l'air d'être le genre de personne qui apprécierait ce genre de choses. Coucou, Gardem! La piscine hantée... C'était où, ça? Ah, c'est dehors? Ah, ouais, c'est peut-être dehors, là. Je sais pas, peut-être. Pourquoi on ferait pas un tour en demandant aux gens s'ils l'ont vu? Bien pensé, Kel. Pourtant, je suppose qu'on n'est pas encore... qu'on est encore plutôt loin de la maison. Je ne pense pas que qui que ce soit ici sait à quoi il ressemble. Oh, j'ai une idée, pourquoi on ne ferait pas un dessin de lui? Est-ce que les gens vont être capables de reconnaître grâce à ça? C'est plein de bonnes idées aujourd'hui, ça a l'air d'être un bon plan. Super, je vais commencer. Je crois qu'il va faire un dessin incroyable. C'est quoi ça? Ça ressemble à rien, Basile. Je veux que Basile sont plus comme ça. J'ai peur de voir le dessin. Hein. Non, attends. C'est pas correct non plus. Hé, qu'est-ce que tu fais à mon chef-d'œuvre? Depuis quand Basile a un aussi gros nez? Ok, voyons comment on s'en sort. On peut voir le dessin, s'il vous plaît? Je veux le voir.
Aïe. Est-ce que c'est vraiment à ça que ressemble Basile? Ah. Je ne peux pas regarder. C'est à ce point-là. Et Roi a mis le dessin nul dans ta poche. Attends, mais moi je le vois. Eh ben, ça s'est pas si bien passé. Sois pas si déprimé, Aubrey. On peut chercher Basile nous-mêmes. Ouais, ça ira. Il y a plein d'endroits où nano. Où nous. Hein? Voilà. Pourquoi ne pas commencer à chercher autour du puits profond? On peut y aller aussi facilement en taxi. Il y a toujours un devant la dernière chance. Allons au puits profond, donc. Attends, moi je veux voir le dessin nul. Hein. Il n'y a pas moyen. Important, je suppose. Dessin nul. Oh la vache. Bon, moi ils ont pensé à la couronne de fleurs. Ouais, non, c'est pas dingue. Puits profond. Hein. Et il nous reste plus que... Ah non, il reste encore 3 zones hein, quand même. Hein. Alors, la piscine hantée, ouais, je crois que c'est là. Hein. D'ailleurs, faut qu'on... Il y a une quête aussi en rapport avec ça, je crois. Du coup, je sais pas si je peux récupérer la pièce dedans. C'est le résultat d'un Gartic Phone, oui. Oui, il y a un haut ici. D'ailleurs, il y a des hauts partout. Ouais, je pense que le dernier mot, c'est noir. Hein. Ouais, c'est sûr. Vas-y, on va le prendre. On va bien trouver le i quand même. Oui, oui, oui. Six touches restantes. C'est bien ça. Ok. Il y a un trou ici. Allez dans le trou. Je peux aller dedans? Mais non, j'ai jamais fait ça. J'ai fait bêtise? What? Une photo de Basile. Genre, toutes les photos qui sont gribouillées. Ok. C'est un peu creepy. Mince, mais du coup, je pouvais aller dans tous les trous. Ouais, dit comme ça, c'est chelou. Ok, ok. Ouais, je peux pas aller ailleurs, je crois. Ok, c'était très bizarre. Ouais, ouais, c'est ce qui me semblait. C'est ce que j'allais dire. On a l'impression d'être dans le vrai monde et je crois qu'on y était vraiment. Du coup, on a ramené un fantôme, mais il faudra ramener les autres. Hein. Que le fait qu'on cherche Basile ne serait pas signe que dans la vraie vie Basile est disparu. Oui, c'est possible. Hein. C'est la raison pourquoi Aubrey le déteste tant. Mais après, dans la réalité, il était là, c'est ça que je comprends pas. Ouais, je sais pas.